Alors, où nous trouvons-nous aujourd'hui? Alors, il y a un peu de vent. Je sais pas si vous allez trop nous entendre, mais c'est peut-être pas plus mal. Où on se trouve? Je sais pas. Voilà, merci. On est perdu. Donc, on n'est pas tout à fait perdu pour le moment encore. Bref, on est en Corse, quoi. Donc, on monte au refuge Ciotulu di Mori, avec l'accent suédois. Et demain, le sommet de Paglia Orba, qu'on aperçoit tout au fond dans les nuages, là. Voilà, avec un petit bivouac à côté du refuge. Donc, on est parti du col de Verghio. Et on y va. Où est-ce que nous sommes-nous? Aux bergeries de Radu. C'est bien. Je ne sais pas si on les voit trop là, mais je le sens. Et donc on va s'engager dans ce petit vallon et remonter tranquillou vers le refuge. Donc on vient de rejoindre le GR20. On va suivre jusqu'au refuge. C'est bien sympa, n'est-il point? Tout à fait. Donc on longe le Golo, le nom du cours d'eau. Oui, c'est rigolo. Et on entreaperçoit le refuge que vous verrez sûrement pas en vidéo. J'essaie de zoomer un peu. Qui est par là. Voilà, on continue à monter. Il y a eu un petit coup de cul. Le refuge... Et juste derrière, la Paglia Orba est toujours dans les nuages, plus ou moins. Et par là, on voit la mer. Nous avons vite monté la tente pour se mettre un peu au chaud, surtout la poulette. Était un peu frigorifié. Juste un poil. Donc bon, nous sommes donc au refuge Ciotulu di Mori, que voici, avec quelques tentes qu'il loue aussi, puisque c'est l'itinéraire du GR20. Nous, on a pris l'option bivouac, parce qu'on aime porter notre tente sur le dos. Donc on s'est installé. La poulette finit l'installation. Et au-dessus, la Paglia Orba à droite, qui est toujours dans les nuages. On va voir s'il y a quelques images à faire. Donc 7h10, on émerge, on avait mis le réveil à 6h30, on mange 4 conneries, le soleil commence à sortir sur les sommets là-bas, on subit surtout. Et on va monter par là normalement. Alors la nuit a été bonne? Non. Pourquoi?
dirais pas. Céline. Non. Bon. Alors, en fait, là, il y avait un emplacement. Alors là, on a l'impression qu'on est seul, mais non, ils viennent de partir. Parce qu'il y avait un couple qui est venu se coller à nous, là. Donc bon, c'est du bivouac à proximité du refuge, quoi. On est un peu les uns sur les autres, c'est dommage. Mais ça fait partie du jeu, c'est pour une nuit. Mais bon, on n'a pas l'habitude. On a l'habitude d'être seul dans les montagnes et on préfère. On s'élève tranquillement vers le col des Maures. Ça réveille. Voilà le refuge en bas au soleil. Et on vient d'arriver au col des Maures. Et donc on va ranger les bâtons, puisque maintenant on continue par là. Donc on continue à s'élever dans cette espèce de cheminée. La vue de l'autre côté est sympa aussi. Notre sommet, le Tafunato, on voit pas encore le trou. Et de ce côté, le refuge, d'où on vient. Bon, je continue de grimpouiller seul. La poulette a fait un petit refus d'obstacle devant un passage qui était un peu plus chaud que les autres. Donc elle m'attend un peu plus bas. Et puis là, ben, on continue le cheminement. Là, en gros, ça passe là. Là, c'est relativement tranquille, il y a des endroits où c'est un peu plus raide, où il faut mettre un peu plus les mains. Et on va essayer de sortir jusqu'au petit col qu'il y a avant le sommet. Bon, voilà, j'ai continué à monter. Le Capu Tafunatu, avec son petit trou. Au fond, les calanches de Piana. Mais il y a un brouillard marin, enfin des nuages au fond là-bas, ça gâche un peu la vue sur la mer. Donc ouais, j'ai fait demi-tour. Je suis monté jusque par là. Je devais plus être très très loin de la sortie. Mais bon, il y avait des passages un peu plus hard. La poulette qui attend en bas. Monter, ça va toujours bien, mais après faut redescendre. Donc voilà, on redescend tranquillou. Le sommet, ce sera pas pour aujourd'hui, c'est pas bien grave. Il y a déjà une vue sympa de ce côté. Donc voilà, il faut savoir aussi redescendre et renoncer. C'est beau ce que je dis. Par là. Revoici le col des Maures, vu d'en haut. Avec de ce côté-ci le refuge. Et la vue bien sympa de ce côté-ci aussi. On a retrouvé le soleil. La poulette est contente parce qu'elle se caillait un peu les meules à m'attendre là-haut, à l'ombre. Donc là, on est en train de redescendre le col des Maures, qui est là-haut. Voilà, c'est bien sympa. Bon, pas de sommet qui est là-haut derrière, mais c'est pas grave. On va redescendre au refuge tranquille, boire une piètre et après on verra. Bon, c'est l'avantage des refuges, c'est qu'après on peut boire une bonne bière. Et un chocolat. Ou un bon chocolat, pour les non-alcooliques. C'est ça. Parce que la bière à 10h du mat, c'est bon pour les cuisses, tu vas voir. Enfin, tu verras, non, tu verras pas parce que t'en bois pas.
Mais pour la récupération, c'est très très bon pour les courbatures. Mais le chocolat, c'est bon pour tout aussi. Non. C'est bon pour les cuisses aussi. Ouais, différemment. On descend tranquillou. On va casser la croûte, on va finir le fromage de brebis et le saucisson au bord d'une des vasques du Golo. Bien joli. On poursuit ? Allez, parti. On approche les bergeries de Radule. C'est sympa comme vallon avec ses pins. Et nous voici revenus à notre point de départ. Un peu plein de pâtes, non? Un peu beaucoup. Il était temps. Voilà, Col de Verdio. Maintenant, c'est piscine, plage, les deux, et tout ça, quoi. Mais c'était sympa, c'est joli. On s'en fout, de toute façon on a bouffé votre cousin tout à l'heure, donc oui.